T'en prie, inscris, abonnez, subscribe dans YouTube channel Mitan Kafoua. Remenons tout sur Facebook, like us on Facebook. Pas moi c'est Marc Lubin, nous n'avons mis tant qu'à foi. Nous connaissons que nous n'avons mis tant qu'à foi, nous toujours chercher des rôles modèles qui existaient. Nous même nous pas créé, ils existaient. Ils ont fait valeur nous tout côté que ils ont. Et je dis à nous pour se voir un gros garçon qui fait New York. Et puis l'aller Montréal, de retourner, de commencer à faire dessin machine depuis le petit. Et puis qu'on y a là, dans question fait dessin machine, il y a pile machine que nous ouais dans la rue depuis une gadelle. Nous Ralph Gilles Ladol mais nous pas connaît et Kounia nous pral connaît qui ça yoyé et nous pral parler avec Ralph pour nous mandel pour parler de enfance de comment le grandit dans New York pour traverser pour aller au Canada Kounia le retourner monsieur voyager à travers le monde côté que l'a continuer fait dessin machine dans mitan kafoua son haïtien ordinaire qui a fait un travail extraordinaire que n'a recevoir aujourd'hui et n'a dit bienvenue dans mitan kafoua Ralph Gilles n'a dou merci pour invitation me connais qu'on occupé en pile mais si tant qu'on capable ban nous me connais qu'on a ban nous histoire qui a inspiré en pile jeune haïtien qui envie faire des bagages grandioses même j'avoue comment y est Ralph bien bien ma poule ma petite en Détroit je vais parler un petit français c'est plus facile que moi oui c'est mieux. OK, ben, allez-y. Tout va bien à Détroit. Je suis là pendant 25 ans, je pense, chez Chrysler, qu'on appelle maintenant FCA, mm-hmm. parce qu'on est une compagnie avec Fiat et Chrysler ensemble. On fait les Jeep, on fait les Ram, les camions Ram, les gros camions, comme choses comme ça. Mm-hmm. Aussi les Maserati et les Alfa Romeo et les petites voitures Fiat en Europe bien plus tard, mm-hmm. tôt en Europe. Mais je suis là, j'ai fait mes études à Détroit, mm-hmm. mais j'ai passé ma vie formative à Montréal entre l'âge de 1 an jusqu'à 17 ans. Mm-hmm. Alors Ralph, tu peux nous parler un peu de ton enfance là. Il y a une dame... qui fait partie de votre famille, c'est une grande influence, c'est ta tante. Et je m'attends peut-être un de ces jours, on aura une voiture avec son nom, hein. Ah, j'espère que oui, parce qu'elle était très grande force dans ma vie, parce mm-hmm. que elle, c'était l'épouse de le grand frère de ma maman. Mm-hmm. Ils habitaient à Syosset, New York, et j'étais là quelques étés, trois étés en conséquence. Et j'étais un peu ennuyé pendant la journée, je dessinais toujours les voitures, des choses comme ça, la nature, même plutôt les voitures. Mm-hmm. Et un jour, elle dit « Waouh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu veux faire ça comme travail, comme boulot? » Et je dis « Non, je n'ai pas pensé à ça, je vais être ingénieur. » Mm-hmm. Et dans les, tu sais, les Haïtiens, ils pensent que c'est, il y a l'engineering, il y a le docteur et oui, c'est l'avocat. Tout ce qu'il nous faut. <C'est tout. rire> Mais vraiment, je savais pas ce que ça veut dire d'être un dessinateur de voitures. Et elle m'a dit il faut écrire une lettre à Chrysler parce que dans ce temps-là, il y avait des ads à la télévision avec Lia et Coca. Mm-hmm.
qui faisait des blagues un petit peu. Il parlait, si tu veux une voiture bien faite, il faut acheter une Chrysler, quelque chose comme ça. Et j'en ai fait, on a écrit une lettre à Chrysler, ils ont répondu à la lettre quelques mois après ça, et ils m'ont donné des avis. J'allais à l'école à Détroit, il y avait une école à Californie, et c'est comme ça. Mais j'ai rien fait avec, j'ai retourné à Montréal, j'ai fait mes études, mais j'ai presque oublié de la lettre, parce que pour moi, c'était un rêve d'être un dessinateur, c'est pas la réalité. Mais ce que les gens ne savent pas, Ralph, ou t'as un autre travail qu'on fait avant qu'on arrive là. Qui Ben oui. travaille qu'on fait avant qu'on arrive que où sont les gens qui ont voyagé à travers le monde qu'on y a, on fait valeur haïtienne tout côté au passé. Mais il y a des gens qui ne doivent pas connaître qu'on travaille dans le market ou bien qui ont de job côté fait avant. Oui, parce que j'étais un drop-out. J'ai fini la high school et j'ai commencé le collège, mais après 3 mois, j'ai quitté le collège et j'ai trouvé un boulot, un travail à Pascal. C'était un magasin hardware, comme chose comme ça. Comme Home Depot, quand on connaît. Home Depot. Alors, Ralph, c'est que raison que tu es fort quitté, il faut expliquer le tout, parce que l'homme a un rêve, ou compte qui s'en ou fait tout ça fait pour arriver, ou même c'est ça que faut te prendre décision, ou pas prendre décision pour quitter l'école et puis pour aller faire un bagage côté ou pas réussir du tout, mais Non, non, compte non. pour qui ça? Pour qui raison que tu es fort quitté Parce que c'était l'école? pas pour moi, je voulais être un dessinateur et c'était pas dispendieux. J'ai travaillé chaque sou que j'avais, j'ai fait, comment ça, savings avec. Parce que la première année, c'était très, très cher pour mes parents. Ils étaient des average people, comme ça. Et oui, j'ai travaillé là jusque tout l'été, presque une année en plus, et mon frère est revenu dans son break de printemps. Il m'a dit, où est la lettre de Christophe? Quelle lettre? Ah oui, cette lettre, comme ça. Et on a écrit une lettre à le collège du CCS, à Détroit, et j'ai emballé des dessins. On était là presque une semaine sans dormir. On faisait les sketchs, les dessins dans le sous-sol de notre maison. Et après, mon frère m'a aidé à. Alors, tu parles de ton frère Max, c'est Oui, ça? Max, mon grand frère, qui est médecin à Chicago. Oui. Alors, vous êtes combien dans la famille? Seulement deux, seulement deux. Seulement deux. Deux garçons et beaucoup de cousins. Ah oui. Moi, Alors, on a une grande. est-ce que c'était facile pour Ralph Gilles de faire partie de cette grande famille de Chrysler ou bien Chrysler, on peut le dire ainsi? Est-ce que c'était facile? Comment ça a commencé? C'est pas mal. Commencer, il y avait une bonne culture ici. Ils sont très, très welcoming, comme on dit ça en français. C'était pas difficile du tout. Très accueillant alors. Oui, très accueillant, c'est ça. En plus, il y avait un nouveau building ici en Auburn Hills qui était en train d'embaucher beaucoup de jeunes et beaucoup de nouveaux sons dans la compagnie. Et pour moi, c'était parfait parce que je voulais changer toute chose. Et Chrysler, il y avait des hauts et des bas et des hauts tout le temps. Et c'était un temps comment on dit ça, rebuilding la compagnie encore. Alors, c'est que parlez-nous un peu de ta tante. Et c'est une fonceuse qu'on peut dire en français, Ben oui, une elle est fonceuse comme positive. Alors, parle-moi d'elle. C'est quelqu'un qu'on doit vénérer, honorer ici de la nation haïtienne. Parce que moi-même, en pile, me garder façon qu'on décrit ma tante, mon cher, n'a pas dit ma tante que nous valoriser pour nation et nous valoriser le show à tout, mais tant qu'à faire. Parlez-moi de ma tante. Oh, elle est incroyable. Elle vit toujours aujourd'hui. Elle vient d'avoir une grande opération. Elle va bien maintenant. Mais, une dame très forte, très forte. Une fois, elle était fameuse. Il y avait quelqu'un qui essayait de la voler. Elle a battu le mec. Ah bon? battu. Ça sont femmes haïtiennes, tout le monde solide. Exactement. Ben, elle était quelqu'un qui, tu pourrais pas la dire non. Quelqu'un comme ça, très forte, ben très intelligent. Très, comment dire ça, chaleureux. Quelqu'un que, quand tu es avec elle, tu vas sourire, tu vas être content, tu vas. Tu vas passer une bonne journée debout avec elle. Ouais, tu te sens fort. Tu OK. te sens qu'il y a n'importe quoi que tu peux pas faire. Ah bon. Alors, c'est que, Ralph, Ouais. et où il va qu'on y a là, c'est au même cap superviser tout le monde qui est en bord, quel que soit le monde qui peut faire des son machine, c'est au même qui peut bailler OK pour arriver. Et qui genre de métier que papa avec maman te gagne? Est-ce que tu es dans la même lignée avant?
Non, pas au commencement, non. Parce qu'ils étaient un peu inquiétés que ce n'est pas un vrai job de faire des dessins automobiles. OK. En plus, il y a mon frère qui est presque médecin déjà à ce temps-là. Et moi, j'étais un artiste. Ben, après quelques années, ils voient que, waouh, il est un gérant. Parce que j'avais de la chance d'avancer rapidement. À l'âge de 30 ans, j'étais directeur déjà de le studio que la 300 était fait dedans, la Chrysler 300. Et ça, mon père, malheureusement, est passé à 1998. Il n'a pas vu tout mon succès, mais ma mère a vu ça. Mais déjà, ils étaient contents. Tout de suite, ils ont vu que c'est un vrai job, c'est quelque chose d'excitant, et c'est, en plus, c'est mon rêve. C'est ma vie, mon rêve est devenu la réalité. Une réalité. Mais c'est que dans la famille haïtienne, gen pile principe que nous baille petite, nous baille quoi dans mon Dieu, nous baille éducation et rete focus sous ça qu'on remet ou à privé quand même. Qui est-ce moun qui bon leçon ça yo, avec qui est-ce moun nous sentons pis semblé au niveau de tempérament dans ça qu'on a fait jodi a? La plupart de les cousins, la famille, les frères, mon grand, l'épouse de Gisèle, Jean, Mouscardi, qui est mort maintenant, il était un succès. Tous mes oncles et tantes, ils avaient un succès de quelle sorte. Et comme ça, je voyais ça, s'ils peuvent faire, ils sont immigrants. Il y avait la plupart d'eux, ils sont la première génération en Amérique. Et ils ont fait beaucoup de succès avec presque rien dans leur poche. Ah bon. Et comme ça, ça me donne beaucoup de confiance de faire l'effort. Alors, est-ce que tu te considères en tant qu'un garçon, un homme à succès? Comme on le dit en Amérique et au Canada. Je peux dire ça à moi-même. Je ne fais pas ça du tout parce que je pense que je suis toujours un étudiant. Je suis toujours. Chaque jour, c'est une leçon. Hein. Il faut s'améliorer, il faut écouter. Même les jeunes peuvent apprendre quelque chose. Et comme ça, je ne suis jamais satisfait avec où je suis dans la vie. Mais j'aime que ce que je fais. J'ai beaucoup de contrôle, mais. Je me laisse pas aller à la tête. C'est ça. Alors, comment on journée de travail ou hier? Est-ce qu'on a un petit détail de journée de travail? Qui l'a commencé? Qui l'a fini? Beaucoup d'emails dans le matin. Après ça, j'ai des meetings et je regarde beaucoup de dessins. Donc, je choisis les meilleurs et on avance comme ça. Et il y a beaucoup de meetings avec les gens, les engineering, département d'engineering. Et on fait les grandes décisions, les détails, on parle des détails, Maintenant, je gère, j'ai au moins une vingtaine de voitures que je suis en charge de dessiner maintenant. Mon équipe. J'ai une équipe de 400 ici, une autre 400 en Italie, une vingtaine en Chine et une soixantaine en Brésil. C'est une équipe assez grande. Wow. Et bon, yon nan bagay qui a attiré attention, le fait ti recherche sou, on le ou sou route, c'était congé, gon accident qui fait, mon cher ou là pour sauver la vie moun. Et est-ce qu'on songe journée ça, ou kap ban nou ti détail, pou moun yo ka konnen de tempérament, de qui est ou yé. C'est pas seulement un génie kap créer machine, mais ou gen côté humain en tout que moun pa konnen et. Ou pas même temps ces machines pour leur regarder sur cas sauver la vie. Essayez ben une description de journée ça. Voilà, c'était quelque chose d'incroyable. On retournait d'une beau soirée et on était en route chez nous. On est presque chez nous et il y avait un accident. Il y a deux voitures qui sont cassées dans l'autre la droite vaille. Et c'était un accident énorme. Les voitures étaient, il y avait des complètement épuisé. Il y avait un bonhomme qui était là, et une voiture qui avait des gens qui s'étaient attrapés dedans. La force était si gros qu'il ne pouvait pas ouvrir les portes et tout ça. Et toute chose allait bien, et soudainement une troisième voiture vient de n'importe je sais pas quelle, où elle avait rien, et elle a frappé les deux voitures qui ont déjà été frappées. Et ça, c'est ça que ça devient sérieux, parce que la voiture qui avait les gens qu'ils ont été collés dedans, étaient en flammes à ce point-là. On parle de flammes de 4 mètres en hauteur, hein, c'est sérieux. Ouais, j'ai pris ma voiture, j'étais dans ma nouvelle Jeep 4x4, et j'ai regardé la situation, que les gens qui étaient entre la voiture qui brûlait, ils étaient OK toujours, mais la voiture, elle est presque
comment on dit ça, catch fire to the other one. Et ça, la flamme allait passer dans la voiture qui avait les gens dedans toujours, et j'ai poussé avec ma voiture, la voiture qui brûlait. Et là, ça donnait autant de pompiers de venir et de éteindre tout ça. Et malheureusement, une de les deux est morte à cause de l'impact de l'accident, le deuxième accident, je pense. Même t'as dit que gen pile machine que moun gen la ouais sous autoroute la cap passer, yo pas même connaît que ou gen touche ou là-dedans. Par exemple, combien machine que ou censé et qui populaire qu'on capable dire nous au moins qu'on y a l'on haïtien gadel pour le manyel pour dire qu'on s'est passé m'a manyel Gilles, je dis à m'ba Gilles là même. Dans mon bon ou deux trois non machine qu'on gagne. Que j'aime ou la voiture que j'ai touchée. Qu'on aimait youn et puis machine qui dans la rue qui en pile mon a acheté ou pas même connaît que c'est ou même qui participait dans dessiner. Tous les grandes Cherokee. Ouais, les 300 tout le monde, la plupart des gens connaît la 300 Chrysler. La nouvelle Pacifica Chrysler Pacifica, les Ram les camionnettes Ram les nouvelles et la vieille aussi. De mon équipe. Plusieurs. Ah bon. Et moi, comme amateur, j'aime les Porsche 911, j'aime ça beaucoup. Et j'aime les nouvelles Jaguar. Alfa Romeo. Oh, Alfa Romeo, oui. Les Maserati, les Vente. On a beaucoup. On a beaucoup de marques chez nous à Chrysler. Mais ça t'a pour mon bel nom, Muscardi, sans penser. Ouais. Hein? Sans penser de ça. Ou bien oui, l'on belle Gisèle. Le nom de. De ta tante. Made in name de ma mère aussi. Oui, oui. Ah bon. Denise Muscardi, c'est moi. Ah bon. Et si y a un jeune haïtien qui a tendé au Kounia, qui a un rêve tout, et qui t'a aimé peut-être arriver dans un point pour dessiner machine ou bien n'importe qui bagaille, sous tape conseiller yo, qui soit tape dit dans deux minutes que yo capable faire, puis yo capable arrêter et yo capable réaliser rêve yo même gens ou même qu'on réalise rêve pas ou. Waouh, mais il faut faire la recherche. Heureusement il y a l'internet aujourd'hui, quand j'avais pas quand j'étais jeune. C'est important de faire la recherche. Ben il y a des écoles partout qui apprennent ces choses-là. Mais il faut être un artiste. Premièrement, il faut aimer dessiner. Mais si tu veux être n'importe quoi dans la vie, faire la recherche. Et il faut te sacrifier le temps quand tu es jeune. Ce temps entre 16 ans et 22 ans, pour moi, c'est le temps le plus important de la vie. Parce que là, ça set the path, comme on dit. Ça commence toute chose. Sans ça, tu peux t'amuser et avoir du fun. Et c'est mes parents, ils étaient très stricts. Mes parents, ils voulaient pas que je m'allais jouer dans le parc. Ils voulaient que je faisais les études. Mais en ce moment-là, j'étais fâché avec eux. Mais maintenant, je suis content qu'ils m'ont donné la discipline de faire les études et de chasser mes rêves, quoi. Et où est à peu près 100 designers? Que c'est Auburn, que c'est Michigan, que c'est en Europe, que c'est en Asie. Et qui côté ou rivé et qu'on joigne deux, trois mouns qui influencé ou, malgré ou nan position côté ou hier? Oh, partout. C'est chaque jour. Parce que moi, je suis comme un sponge, comme on dit ça en français, en créole. Ou éponge? On éponge, oui. J'aime learn things. Ou aimer apprendre dans l'autre monde, garder qui ça y a fait. C'est ça. Pour une inspiration. Mais qui peut m'influencer, j'aime ça. Alors, c'est que gon lettre qu'on parle de lettre. Lettre ça c'est de papa ou, et qui ça que t'es dans lettre ça qui gon paquet d'importance pour vous et pour famon. La lettre C'est la lettre que Christophe m'a retourné, c'est ça. Mais oui. Mais c'est là dans mon office maintenant, c'est juste que je la vois chaque jour et ça me donne l'espoir. Ça, c'est source d'inspiration. Ou? Exactement. Ok. Mais à part ma tante, et qui l'autre monde dans la famille ou, et qui inspire ou, toujours? Oh, mes oncles Jean, mon oncle Yvon, ma tante Edith, Fifi Saint-Amand, Renaud Saint-Amand, beaucoup d'Haïtiens forts, et mes cousins, Tania, j'en ai plusieurs qui. Même mon frère. Est-ce que vous visitez Haïti des fois ou bien Ça fait quelques ans, mais j'ai pris ma famille et ma mère et mon frère. On a dû passer des séjours, deux semaines à Haïti, c'est en 2014. Ça fait 4 ans presque. Incroyable expérience. Et qui ça qui n'a culture, n'a éducation,
qui rete nan ou et chaque jour l'on sent ou découragé et pour font ti puiser dans culture ou font ti puiser dans éducation et qui permettent que ou toujours continuer progresser qui ça lié qu'on capable et séparer ou bien partager avec jeune haïtien qui attendent nous là. Ah, wow, c'est la leçon que mon père m'a toujours dit que l'Haïti est un pays spécial. On est la première Free Republic. Quelque chose d'important, c'était que les Haïtiens sont forts, ils sont intelligents, ils ont le courage. Et je pense toujours à ça. Mm-hmm. En plus, quand j'ai un mauvais jour, je joue ma musique haïtienne et ça me fait content parce que ça me retourne le temps quand j'étais jeune et mon père chaque matin dimanche et samedi jouait la musique haïtienne au bout coupé cloué et tout ça. Ah bon. On s'amusait et moi à ton âge je savais pas qu'est-ce que c'était mais maintenant quand je suis plus vieux j'aime beaucoup la culture, je recherche un petit peu la culture. Ou marié ou gen petite, est-ce que petite ou à peu près ou même bagage ou même j'avais au temps mais rentrer pour commencer à dessiner machine tout? J'ai une qui est un artiste, elle veut faire des animations comme Disney et les movies Pixar, elle aime ça beaucoup. Elle fait des études en Californie à CalArts. Le dessin, l'autre, elle est à New York, quand ma mère était, faire le marketing pour l'industrie de fashion. Mais comme on grandit dans plusieurs cultures et plusieurs pays, on fait plusieurs expériences, et de ça qu'on ouais, et qu'on connaît culture haïtienne, qu'on connaît qui potentialité que haïtien gagne pour être capable de progresser tout, qui sont pensé peut-être qui manquait nous, côté qu'à conseiller un jeune pour que li pa raté, pour que li progresse tout, et puis li vin un monde qui connu, ok, et qui un rôle modèle même j'avo. Qui ça, qui sont pensé que un jeune te ka commencé pas mettre dans tête de kounia? Wow, ça c'est une grande question pour mon français limité. Je pense que non, ou bien la dire en anglais c'est le plus facile pour. Il faut prendre la chance de se déménager. Il faut pas être. Mes parents n'avaient pas peur d'embarquer à l'États-Unis, au Canada, il y a beaucoup de coûts. Pas peur, prendre un risque. Oui, prendre un risque, il faut voyager un petit peu, voir le monde, même si c'est un peu cher, il faut garder les sous et essayer de voir le monde un petit peu. Mais éducation, c'est numéro un pour moi, c'est d'absorber tout. Même pour les Haïtiens qui peut-être peuvent pas voyager, il y a des cours online que tu peux prendre. Même si tu es un Haïtien, tu peux prendre des cours de n'importe où au monde et faire presque des degrés en taille pour avoir un bachelor's de science complètement électroniquement chez toi. Pas besoin d'aller au collège, certainement. Il y a beaucoup d'avis, de façons de trouver le succès. Mais vous parlez de... Et musique, mon papa allait de manger haïtien, non? Haïtien pire. Malheureusement, à Détroit, c'est un peu difficile de trouver. Il y en a des haïtiens ici, mais il n'y a pas de restaurant haïtien, malheureusement. Mais mon épouse, elle a des leçons de ma maman, et je sais comment faire un petit peu. Le riz haïtien, j'aime ça beaucoup. John, c'est mon favori. Sous ta joine, pomme, si ou pas arrivé pour ton grand dessinateur de voiture pour arriver dans position rivière, qui l'autre bagaille qui était dans rêve ou qu'on t'a aimé réaliser à part ça? Pilote de course. Ah! J'adore ça. Est-ce que j'aime bien ça? Comme hobby maintenant, j'ai des voitures que je passe à la piste et j'aime ça. Et, non, pour tourner sur ça, qui machine qu'on pire aimé? Wow, même j'ai la Viper, j'ai la Dodge Viper. J'aime ça beaucoup. Dodge Viper, et pour qui sont remêlés? C'est vite. Aucun chaîne vite. Oh, merde. Non, m'apprécie ça en pile. Alors, c'est que, et qui secret qui gagne pour le monde gagne succès? Qui ça que secret par où? Humble. Comment on dit ça en français? Humble. Oui, être humble et très accommodant. Accommodant? Accommodant, autres gens et être toujours un étudiant. Ça me donne beaucoup de... Et en plus, c'est quelque chose que c'est pas... C'est un peu marrant, mais c'est d'être sourire un petit peu, être gentil avec les gens. Parce que comme ça ouvre les portes. Ils veulent te parler, ils veulent te revoir et donne des avis. Il faut toujours...
toujours avoir un sourire pour les gens. Mm-hmm. Quelqu'un de qui est chaleureux. C'est ça que je sais que ma tante m'a appris. Le... Ah bon. Ah bon. Eh bien, Ralph, est-ce que vous dernier bagage que vous avez mais ajouté pour nous, parce que je connais que temps limité, non pas avec un beau trop, que vous avez mais partagé avec nation haïtienne. Parce que tant qu'on me dit, dans mi-temps qu'à fois, nous pas créer des rôles modèles. Nous allons chercher côté yoye, ou même son rôle modèle pour nous. Mais succès important pour nous. Tous les Haïtiens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Haïtiens qui ont beaucoup de succès. Mm-hmm. Pour moi, c'est, ça me donne la force que je vois, pas seulement ma famille, mais toutes. Il y a des grands gens au Canada qui sont dans des positions de parlement, qui sont mm-hmm. haïtiens. Je vois tout au monde, il y a des haïtiens qui font du bon travail et sont des forces internationales, et j'aime ça. Et pour moi, je dis merci à tous les mamans et papas, tous mm-hmm. les gens qui ont élevé ces gens-là. Et je pense que la culture haïtienne, c'est une chose de merveilleuse et qu'il faut la garder. Mm-hmm. Eh bien, Jodia, dans le temps qu'à foi, nous gagnons Monsieur Ralph Gilles. Et Ralph Gilles, quelle position qu'on gagne qu'on y a dans le crash là? Pour mon yoka connaît importance pour gagner et combien machines avant que me quitte ou aller combien machines qui dans la rue populaire que depuis ouais qu'on y a que haïtien gadel pour dire que ça a son Ralph Gilles qui a passé là. Il y a un gentil spécial sur Netflix qui cherchait ça s'appelle Abstract Design. Oui, et il faut voir ça, c'est bien, ils ont bien fait un truc sur notre travail ici. Mm-hmm. Ouais, un spécial. Alors, est-ce que un dernier mot? Merci. Merci pour ce que tu fais aussi. Hein. C'est gentil d'avoir un programme comme ça. Je suis okay. Grateful. OK. Et ou bien coordonnées, nous, si bien l'autre haïtien qu'on connaît, que nous pas connaît, qui se déroule modèle, qu'on connaît, qu'on a contact avec eux. Mais avant que nous quittons aller, mais combien est-ce que un pile haïtien qui est dans le même domaine qu'on rencontre dans différents pays qu'on allait et qui est dans le même domaine avec eux qu'on croise? Pas autant que j'aimerais voir, mais il y en a quelques-uns, oui. Mm-hmm. Il y en a spécialement dans des fabriques et choses de fashion. Mm-hmm. Ça, beaucoup d'haïtiens. OK, un peu partout. Beaucoup d'artistes haïtiens. Ouais. OK. D'accord, merci Ralph. Et encore, est-ce que avant qu'on aille, on est capable de dire ensemble avec moi, on valorise tête nous, dans le temps qu'à foi? Que ça veut dire. Merci. Non, c'est façon de dire que il faut que nous apprécions tête nous. Absolument. OK, non mi temps kafoua. Baye tête nous valeur. Baye tête nous valeur. Non mi temps kafoua. En mi temps kafoua. D'accord, merci et à la prochaine. À la prochaine. D'accord. Bye bye.